Le trompete e la morte deo. Che intendis? Tu troni un equi forte e desai. La demiore di Dio et est avec les humains e l'ora sa demiore avec eux. Il serunt est biopes et lui meme qui est Dio avec eux sera lior Dio. El iesuriera tote l'arme de lios iops, l'amor ne seran plus. Et el en mai aura plus, ni divil, ni cri, ni dolior, car les primeres doses on disparo. La grande controversie, la rebellion di Satan, contra le gouvernement de Deo, proce rapidement a sa fin. Los en abos abons pas et elaises dans el ignorance de la maniere don de conflict se terminera Dio gagne Satan per. Meme les details des dernieres batailes sont clairement decrits dans la Bible. Une periode di angoisse et de liberation. Une periode di terreur et une periode de joie, on temps de desolation et de judgment, on temps de vie et de mort. Voici les temps de aimer et de être aimé. Une periode de angoisse et de libération. Quel mal jour, si es un jour terrible, un jour sans pareil, si es un temps de détresse. Pour les descendants de Jacob et portant, ils s'en sortiront. Les grands changements sont sur le point de se produire dans le monde et les derniers mouvements seront rapides. Quels seront ces événements? Le process est terminé et chaque cas est tranché la portée de la grève. La grèce se referme. Temps de détresse, les merchants, agissant sans retenue morale et les justes, ne savent pas is elles ont été pardonnés. Les seven derniers pliox est abattent sur les impénitents, les pioples de Dieu est gardé et protégé. Chaque groupe se prépare à rencontrer. Recontrer Yeshua certains les combattants de autres el acquillent avec joie. Lorsque Yeshua aura achevé son œuvre de médiation et que le Saint-Esprit se sera retiré des impénitents, le sort de chacun sera scellé. Les fidèles continueront à bénéficier de l'aide et de la protection divines, tandis que les méchants seront à la merci de Satan. Chacun montrera par son caractère qu'il a choisi de servir. Une période de terreur et une période de joie. Et ils disaient aux montagnes et aux structures. Tombes sur nos caches, nos dit celui qui est assis sur le trône et de la colère de El Agneo. En ce jour-là, on dira voici notre Dieu, nous l'attendons et il nous sauvera. Si es el Eternel que nous attendons, nous rejoignons et nous serons dans el alegresse à cause de son salut. Ils ont rejeté la loi de Dieu, ils ont rejeté el odio, et se sont créés des citernes crevasses. Ils se trouvent maintenant face à face avec le juge et ne peuvent que attendre à la colère et à la condamnation que les délivrera. Ils ont été fidèles à la loi de Dieu. Ils ont beau de l'eau de vie.
maintenant, ils se trouvent face à face avec leur jugé. Ils ne peuvent qu'espérer la salute comme ne pas éclater en longues. Satan est en train de rester. Il fait en sorte que tous elles adorent et obéissent à ses lois. Les restes demeurent fidèles à la loi de Dieu. Il prépare le monde à combattre l'agneau. Les restes se préparent à rencontrer son Dieu. Yeshua détruit tous ses adversaires lors de sa venue. Yeshua emmène avec lui ceux qui croient en lui. En temps de désolation, la terre est complètement vide et totalement vide. Si est le Seigneur qui parle. Lors de la venue de Yeshua, les saints de tous les temps seront ressuscités et les fidèles vivants transformés monteront avec eux au ciel avec Yeshua. Les méchants mourront en présence de Yeshua. Leurs cadavres ne seront pas enterrés et il ne restera plus aucune autre vie sur la terre. À ce moment-là, Satan et ses anges seront enfermés dans des abîmes pendant mille ans, incapables de tromper qui se soit. Et l'abîme abyssos lieu de ténèbres décrit parfaitement la situation de la terre à cette époque, sans vie humaine sur terre, aucun démon n'atteindra. Se sera un temps de réflexion pour les anges révélés les par l'enchaînement des circonstances sans possibilité de quitter la terre désolée. La temps de jugement. J'ai vu des trônes à ceux qui est voy à s'irent donner les et puis voir de juger. Yes, les sauves, ils reprennent. Reprirent vie et ils régneront avec les reis pendant mille ans. Si le jugement a eu lieu avant la seconde venue et que Yeshua a déjà exécuté la sentence en donnant la vie éternelle à ceux qui ont cru en lui, quel est l'intérêt de ce nouveau jugement? Pendant des siècles, Dieu a manifesté son amour et offert le salut à tous ceux qui le recevaient. Il a également permis au mal de se développer pleinement. Pendant le jugement, tous les mondes et les anges fidèles ont pu être témoins de la justice et de la miséricorde de Dieu face à au péché et à la rébellion. It's on maintenant. Debout aux les véritables résultats de la domination satanique, on est très vide et désolé. Mais ceux qui entrent nous qui ont vécu sur le terrain de l'ennemi pendant le conflit, aujourd'hui, oui, recettes devront également être témoins de la justice et de la miséricorde de Dieu. Lors du jugement millénaire, nous serons tellement convaincus de l'amour de Dieu que le mal ne se relèvera pas. En temps de vie et de mort, mais pour vous qui reconnaissez mon nom, se libéra de soleil et de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme les vieux de une étable. À la fin du millénaire, les méchants sont ressuscités, ils acceptent et nouveau la direction de Satan et gloutent à nouveau contre Dieu et les saints. Rena, James et tous sont détruits par les vieux. Mais avant qu'ils ne soient détruits, un jugement final est rendu. Les livres sont ouverts et tous les reconnaissent leurs actions et leurs rejets. Des appels aimants du Saint-Esprit, tous acceptent la justice de Dieu et plaisent les genoux devant lui. Loin de vivre éternellement pour être éternellement punis, ils
sufficient uni secondi mor don ilni e apasti resurrection le mor et le peces on terminis estems de esser tutti l'armi e di gioia di ogni vie eternelli et iores iore iose voi se le temps di emer et di etre aimi di loen le signor mes ad paro che e emi on amor eternel es porco e diete conserv ma fidelite et che però sno sol la novelle tere pendanto el eterne te le crux du Christ sera la conaisans et le chant es racete spendat dote et el eternite sor es plenis paisibilis au voltes dulce ox vivans de pupile di Dio rovera unemaison la des spirits immortals contemplerunt avec un placer eternelles merveilles de la puissance creatis totes les facultes devent etre developes totes les capacites devent etre accrues el acquisition de connaissances ne fatigue pas el intelligence et en ipues pas el energy les plus grandes enterprises puven etre menes a bien les aspirations les plus nobles satisfaites les ambition les plus elevies realises de novios summits a franchir, de noveles merveles a mirar, de noveles veritis a comprende, de novios objectives por agioser les facultes de el spirit do el ame et do corps. El partagent avec les etres non de tus les tresors de connaissance et de comprehension acquis pendant des siècles dans la contemplation des obres de Dieu. Avec une vision claire et considérant la gloire de la création, les soleils, les stoiles et les systèmes qui, dans un ordre qui leur est assigné, tournent autour du trône de la divinité. La grande tragédie est terminée, les péchés et les pécheurs ne sont plus, et l'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les curieurs éprouvent la même allégresse. Es on des tibie de lumiere et de joie que les saint du trône du Creator even is sent les derniers recoins de l'espace infini di el atone le plus imperceptible aux mondes les plus vastes tandes et tres animes que des objects inanimes ex eleve par la voie de lior biote incomparable et de lior joie sans similangi on antique di alegre se proclamant que Dio es amor et in suite el angime montre on pliove di io che done la vie el brilli come doveri el sol tu sigue di Dios et di Agneo et el cole o milio di la place di la vilila entre di ox patiesto pliove el abarbre di vie el done des pros pues dans e alni un pues par mois et ses fueles serpent agire les pioples Apocalypse 22:1-5. Il ni aura posti malediction le sigue di Dio et de el agneo sera dans la vil et les servitures de Dio el adoreron. Ils veron son vis vices et son run sera écrit sur leurs fronts. Il ni aura posti nuit personae in aura visuin de la lumiere e une lampe en indila lumiere du soleil en effect le Señor Dio reparandra sa lumiere sources servitures et il seron rois por tu jours je observe je medite je prie